fait fort chaque année de donner le plus de temps possible pour des associations, pour des projets qui permettent d'aider les autres. C'est pas facile quand on a un emploi du temps chargé. Donc de temps en temps, qu'on a la chance de trouver des gens qui vous donnent les moyens ou vous tendent la main pour facilement vous aider à donner du temps, bah, vous ne pouvez qu'accepter. Donc je donne de mon temps pour étoiler Solidaire avec un immense plaisir. J'avais un rêve quand j'étais jeune, c'était de devenir chef cuistot. Bon, c'est passé, j'ai fait autre chose. Et puis bah, ça parle aussi de solidarité, de personnes âgées. Voilà, je garde un souvenir ému de mes grands-parents qui ont disparu aujourd'hui. Vous voyez, le côté étoilé, ça réveille mes papilles, et puis le côté solidaire, bah, ça réveille mes souvenirs. Et la vie passée, hein, comme tout le monde, hein. Et franchement, des bons moments que j'ai pu avoir dans mon existence avec mes grands-parents. Mon grand-père faisait la cuisine admirablement bien. Il aurait pu être un super chef. Et c'est lui qui m'a donné envie au quotidien de cuisiner, de me lever pour aller au marché, de faire les courses, d'éplucher des légumes plutôt que d'acheter une soupe en boîte. Donc, c'est étoilé solidaire, c'est un petit peu tout ça. C'est vraiment c'est la vie, quoi. C'est le sens de la vie et le plaisir de la vie. Et puis et ben, j'espère qu'un jour je serai à la place de ces hommes, ces femmes qui vont participer avec nous à l'événement Étoilé Solidaire. Et j'aurai plaisir à faire la cuisine avec des grands chefs et à être avec des bénévoles qui s'occuperont de moi. Voilà.